Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez sympathique car je vous apprends comment vous faire pirater sur MSP. Et bien c'est simple, pour cette expérience je vais créer un nouveau compte, hein. Bien sûr ce serait dommage de se faire pirater 15 à YouTube, ce serait vraiment vraiment dommage. Et pour ça on va prendre... Voilà, une fois que vous avez créé votre personnage, hein, honnêtement, moi je l'ai fait au hasard totalement. On l'a appelé Queen du Citron, hein, et comme mot de passe, comme vous verrez, très petit mot de passe, parce que c'est tout simplement LOL 1, 2, 3. Voilà, on accepte, on crée le compte, hein, il va être cool, très cool. Et elle est très contente de se faire hacker. Le personnage était très content, mais c'est à l'avance déjà qu'elle s'est encore hackée. Bon, on avance, on ignore l'étape, hein. Donc la première étape était de créer un personnage. La seconde étape très importante est de ne pas mettre d'email. N'entrez pas d'email sur votre compte. Activité. Bon, une fois que Pixie Star a arrêté de nous harceler, de demande d'invitation, qu'on l'a accepté, qu'on lui a fait sa première petite quête, maintenant il est temps de se faire pirater, hacker. Alors il y a deux façons de le faire. Soit vous faites tout simplement hacker, pirater en allant dans un chat, étant donné que les personnages vont essayer de se connecter à votre compte avec les mots de passe. Comme par exemple LOL 1, 2, 3, Lollipop 1, 2, 3, ce genre de petits mots de passe très très simple. Soit deuxième solution, vous essayez de contacter une personne qui fait VIP et elle va vous demander votre mot de passe. Donc nous on va essayer les deux techniques. Je vais essayer, bon après voilà, il est 10h du lundi matin, 10h du matin au moment où je tourne cette vidéo. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde dans un chat, mais on va essayer de, je sais pas, où il y en a plus, plage ou café. Bon, on va tester la plage. On va tester la plage et on va parler. Coucou qui fait VIP. Bon, il n'y a pas grand monde. On va voir s'il n'y a pas dans une autre plage plus de monde. Ah, Aigle Plage. On peut y aller? Ouais, super. Il y a du peuple. Il y a du peuple. On va leur demander gentiment. Il faut écrire d'une façon très mauvaise. Avec un orthographe très mauvais. Hein, la façon dont j'écris d'habitude tous les jours, bien sûr. Et on va attendre voir si quelqu'un nous envoie un message ou si quelqu'un, je sais pas, essaie de se connecter sur le compte. Est-ce qu'on va se faire déconnecter? Je ne sais pas. Et bah écoutez, il y a un petit peu de changement car il y a une personne qui nous a contacté. Je n'avais même pas remarqué. Ça s'appelle Catalina 8888. Ils nous ont envoyé. Salut, je suis VIP si tu veux. Alors écoutez, moi je trouve que c'est une personne totalement de confiance. Écoutez, elle n'a pas de cufétu, level 3, écoutez, moi je lui fais confiance. Hein. Honnêtement, je vous dis, pour moi, elle a l'air d'être une personne de confiance. Du coup, on va lui parler un petit peu pour lui demander de nous mettre VIP. Elle m'a répondu, elle m'a dit, je suis Vita 83, merde, j'ai cru que niveau 83, mais non, Vita 83 dans le top, mais je lag trop, donc j'utilise ce compte. On va vérifier qui est Catalina, Catalina. Vita 83, d'ailleurs j'allais dire pourquoi Catalina 88 et pas Catalina 83 du coup. Mais on va aller dans le top. Nanana. J'espère qu'elle est pas trop loin. J'ai pas envie de faire toute la liste. Ah bah tiens, voilà, elle est là, Vita 83, on va voir son profil. Bon, bien sûr, ce n'est pas elle. Hein. Top 10 pets de ma room. Non, ce n'est absolument pas elle. En tout cas, j'aime bien son look. J'aime beaucoup son look. Il est sympathique. J'aime bien ce qu'elle a sur la jambe là. Je sais pas, il faudrait que j'achète la même chose, je sais pas d'où ça vient. On va lui faire, genre comme toutes les fangirls, on va lui dire... Eh ben écoutez, je leur ai envoyé, d'accord, merci, au revoir. J'ai même pas eu le temps de vous dire ce que j'ai envoyé, je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Mais j'ai envoyé un message en disant, oh, je suis trop fan de toi. Je sais plus ce que j'ai marqué, et je crois qu'après je lui ai donné mon passe, je lui ai dit, écoute, mon mot de passe c'est LOL 1, 2, 3, j'ai envoyé en plusieurs messages. Eh ben écoutez, je me suis fait pirater, on kiffe, on adore. Je pense que vous avez maintenant toutes les clés en main pour vous faire pirater, hacker. C'est une très bonne façon de s'amuser. Bien sûr, cette vidéo est à prendre au second degré. Je l'ai faite vraiment pour rigoler, pour vous faire comprendre que c'est tellement simple et que ça ne sert à rien de faire confiance à des gens. Enfin, j'ai coupé la vidéo, mais dans 2 minutes, je vais vérifier si je suis VIP. Hein. On sait jamais, hein. Peut-être que je serai tombée sur la seule personne honnête de MSP. En tout cas, attendez, bon bah attendez, je reviens dans 2 petites minutes. Eh bien, je tente maintenant de me connecter. Bah écoutez, je sais pas, là, pas changé mon mot de passe. Je ne suis apparemment pas VIP non plus, hein, je pense, hein, comme ça se voit. J'ai perdu un ami, bah je crois qu'elle m'a enlevé de ses amis, je ne sais pas. Attendez, faut que je vois des amis déconnectés. Ah bah non, bah c'est mes deux seuls amis en fait, j'ai tellement pas l'habitude de ne pas en voir.
On va lui envoyer un petit message et je n'ai plus sa conversation. Je sais pas pourquoi j'ai plus sa conversation. Non, elle peut pas la supprimer. Bah, elle m'a sûrement bloqué, je pense. Ouais, je pense qu'elle a dû me bloquer. Je ne sais pas, elle a dû se connecter sur mon compte, voir peut-être qu'elle a vu qu'il y avait rien d'intéressant. Je ne sais. Et puis voilà, attendez, on va voir si elle a mis un mail. Non, elle n'a pas mis de mail non plus. Je pense qu'elle a juste dû voir que le compte ne l'intéressait pas, j'en sais rien. Enfin bon, j'ai fait ça avec un vieux compte, je venais de créer, donc il n'y a pas d'intérêt peut-être pour elle de faire quoi que ce soit avec ce compte-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, je rappelle, à prendre un second degré. Et puis sur ce, n'hésitez pas à me pirater puisque le mot de passe n'a pas été changé. N'hésitez pas à me pirater, à me hacker, à me faire tout ce que vous voulez avec ce compte. Hein. Il est à vous, c'est cadeau. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, c'était la quinzelle.